Il est 10 h dans le stade olympique de Berlin, le thermomètre affiche déjà 30 degrés. Au couloir 6, à 21 ans, Laura Valette participe pour la première fois au championnat d'Europe. Elle prend un bon départ, mais elle est à la lutte durant toute la course pour accrocher la troisième place du 100 mètres en 13 secondes et 16 centièmes. Laura a d'ores et déjà atteint son objectif, se qualifier pour les demi-finales qui auront lieu demain. J'ai eu un petit peu chaud tout au long de la course, du coup j'étais un peu dans la poussée et pas dans ce que je sais faire, bien être appliquée et bien placer le bassin. Donc c'est pas une course très très propre, mais ça passe, je suis très contente et maintenant je vais tout donner en demi. Une heure plus tard, Floria Gay, la Nantaise, entre en piste pour le 400 mètres. Cette année, elle a un nouvel entraîneur et un objectif à long terme, une médaille au JO de Tokyo. Alors il s'agit tout d'abord de réussir ces championnats d'Europe. Floria n'a pas forcé son talent dans cette série, elle a maîtrisé son sujet de bout en bout, bouclant le tour de piste en 51 secondes et 89 centièmes. À Berlin, Floria a soif de victoire et beaucoup d'ambition. Le titre, tout simplement, il y a 2 ans à Amsterdam, je fais vice-champion d'Europe. Là, cette année, je me suis entraînée pour. Après, il va falloir aller à la guerre, ne pas avoir peur de se confronter et de tout donner jusqu'au bout. Dans moins d'une demi-heure, Floria sera à nouveau en piste pour la demi-finale.